Le bureau de médiation a été inauguré le 13 mai 2021. Alors, où est venue l'idée de créer le bureau de médiation? Effectivement, l'idée de création de ce bureau est venue suite à une discussion engagée en 2021 entre l'Office de la protection du citoyen et la coopération française. En France, ils ont fait l'expérience et l'expérience s'est révélée fructueuse. Alors, ils se sont dit, pourquoi ne pas implémenter un tel projet en Haïti? C'est dans cette optique que l'OPC et la coopération française se sont entendus pour placer dans la commune de Delma un bureau spécialisé en médiation. Ce bureau a été aussi créé dans le but de construire un environnement pacifique qui permettra de prévenir la délinquance, et c'est la raison pour laquelle, autre que sa mission de médiation et de vulgarisation, le bureau a d'autres missions, et parmi lesquelles on peut citer prévention de la délinquance, l'accès à l'information, dialoguer avec les autorités et les citoyens afin d'instaurer un climat de confiance, faire la promotion pour la médiation afin que les citoyens n'aient recours à d'autres formes de résolution de conflits. L'OPC se fait le plaisir de vous accueillir dans son bureau de médiation et de vulgarisation à l'occasion de cet atelier et sur le droit à la santé. Alors, le droit à la santé mentale. Tout d'abord, je dois dire que les troubles mentaux constituent des réactions aux circonstances désagréables de la vie, telles que les frustrations de l'enfance, les chocs émotionnels de la vie, les irritations continuelles venant des relations humaines et l'insécurité. Tenant compte du rôle indescriptible de la famille en matière de réduction de la violence communautaire et de la prévention de la délinquance, l'OPC a jugé nécessaire d'impliquer ses acteurs par la vulgarisation des idées et des réflexions qu'ils auront à émettre visant à recueillir leurs idées sur la question du droit à la santé mentale au cours de cet atelier. Aussi, l'OPC en profite de cette occasion pour remercier l'ONU Femmes pour son partenariat qui a permis à la réalisation de cette activité. Ainsi, mesdames, messieurs, j'ai mission OPC Mandela. L'idée est mettre toute stratégie qui gagne pour défendre droit tout citoyen qui est victime ou bien que l'État viole droit. Droit santé mentale, c'est responsabilité que l'État a gagné pour le prendre, bon j'en me dis, non seulement pour empêcher, mais aussi pour freiner violence qui rend moun yo malade dans l'esprit yo. Si vous voulez résoudre un problème, il faut qu'on ait culturellement comment moun yo et comportement moun yo. Il était bien dit, réalité dans Cité Soleil, pas réalité dans Bétionville, encore moins réalité dans Jérémy, ou réalité dans Ben de elle, alors que c'est même payant par rapport à des étrangers là où nous dans l'autre pays, depuis un haïtien suspect sur un haïtien. Mais là en Haïti, ça pas empêché que des nuances, que des différences de comportement, d'en parler et même que des dialectes, ouais. Et ben c'est même bagarre là. Si on parle de violence, expression violence, on pas obligé de sembler dans chaque commune, dans chaque section communale. Ça dépend de besoin. Ça dépend de besoin. Imaginons un monde qui a volé parce qu'il a juste besoin de l'école. Il a juste besoin de payer l'école. Un aspect positif que je prends,
lié à un mal. Alors que, depuis que je dis voleur, déjà le mal, tout reste là où est mauvais bagaille. C'est peut-être ça, oui, que la justice. Le juge écoute, c'est libre à le décider selon lui. Ou il doit étonner de décision, là, mais il compte pour qui ça, il décide. C'est peut-être ça, il faut prendre tant de côté et bien côté avant de réagir. Moi-même, matin, ma petite précaution, c'est parce que l'officier était averti que je m'apprends à faire avec la famille. Ce n'est pas que l'autre catégorie n'est pas très importante. Toute l'autre catégorie nous avons avant, ils ont deux familles. Ils ont deux familles. Pas qu'une société sans famille. Cellule de base société, hein, c'est famille. Donc, si vous avez besoin d'une société fonctionnelle, opérationnelle, pour qu'on parle d'un bon pays, il faut garantir que la famille yo non seulement existé, mais ça y a dit que ça y a fait rentrer dans une dynamique de lucidité, de respect des normes, de respect de la vie. Il y a besoin d'une vision qui est liée à ce qui définit dans le pays, parce que le pays a un côté de l'aller. Qui est-ce qui a occupé de famille en Haïti? L'hypocrisie à l'intérieur des familles est là. Même gens, il est tout partout en dans le pays. Donc, ça ne parle pas, c'est que la norme. C'est lui qui vient force là. Et c'est lui qui a développé qui mène à ça aujourd'hui. Parce que les pas de communication de famille, il n'y a pas de parler à l'autre, etc. Mais il va créer un gros problème. C'est pour ça, au lieu de rester en amont, papa me dit ça, me va dire ça, me va dire la malchita. Parce que ça me dire correspond exactement à la réalité. Violence dans le passé dans le pays qui fait projet ça a créé. C'est par rapport au diagnostic, par rapport à un ensemble de faits. Femmes qui ont violé, qui ont subi violence, pas viol seulement, toute forme de violence, petites filles, etc. Ce sont des faits palpables. Tout le monde a pris l'amour. Je dis à tout le monde a pris l'amour parce que nous pas capables encore, les dieux. Mais il était toujours fait. Il était fait. Il était bon cas, 3 cas, 10 cas, 5 cas. Il était apparemment accepté. Je dis à l'aile 1000, l'aile 10 000. C'est ça, il y a un problème pour nous. Maintenant, quand nous pas chaque jour comprenons la vie existe, et puis nous pensons que l'aide du feu après, nous allons solutionner, on va éteindre du feu, on va réparer des gars. Mais il faut quitter le temps, oui, pour agir dans le temps soi-disant normal pour partager, côté prendre pour normal.